quelqu'un qui nous prend en marche maintenant euh, shalom à tous que la grâce et la faveur de l'éternel soient sur ta vie toi qui me regardes euh, merci de, de partager cette vidéo merci d'inviter quelqu'un à nous suivre comme nous avons l'habitude de le dire alléluia je salue tous les toutes les surnaturelles pour galanterie toutes les surnaturelles et tous les surnaturels que la grâce et que la faveur de l'éternel soient dans votre vie, que Dieu vous bénisse abondamment. Euh, nous sommes en train de traiter un thème important, le monde surnaturel. Je voudrais rappeler à tous ceux qui ont l'habitude de nous suivre, à ceux qui connaissent notre notre programme, nous avons euh, prière de nuit aujourd'hui. Aujourd'hui est jeudi, nous le faisons chaque deux semaines. J'explique un peu le contexte de cette prière de nuit que nous avons. Vous savez, il y a ce qu'on enseigne sur la place publique et à ce qu'on ne peut pas Enseigner sur la place publique. Donc, on donne un, un aperçu, banc, pas un aperçu, on donne quelque chose de fondamental euh, sur la place publique. Quand je dis que la place publique, c'est l'enseignement que je donne maintenant. Et puis, il euh, y a certaines personnes qui veulent aller un peu plus loin. Et pour ces personnes-là qui veulent aller plus, un peu plus loin, nous nous retrouvons chaque deux semaines, tous les jeudis en 15, euh, à partir de, de minuit 30 heure de la France. Tous les jeudis en 15 à partir de minuit 30 de la France. Shalom à tous ceux qui nous prennent en marche maintenant. Merci de partager cette vidéo. Merci d'inviter quelqu'un. Donc, je disais tantôt, nous avons prière de minuit aujourd'hui. Aujourd'hui, 0h30 de la France. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes à la troisième partie. La troisième partie, voilà, c'est juste écrit derrière moi. Troisième partie du monde surnaturel. Je voudrais inviter quelqu'un à, à partager, à partager, à liker, à commenter tout le long de la vidéo, euh, parce que ces, ces enseignements que nous donnons sont un peu, un peu attaqués. Je ne vais pas dire beaucoup, je vais dire juste un peu attaqués. Voilà. Donc, on a besoin que toi, à qui ça fait du bien, que tu partages, que tu mettes les cœurs, que tu mettes les commentaires tout le long de la vidéo, afin de permettre à d'autres personnes de pouvoir entrer en contact avec cette vidéo que nous sommes en train de diffuser maintenant. Que Dieu nous bénisse. Donc, je disais tantôt, nous avons prié de nuit aujourd'hui, 0h30. Et nous sommes en train de parler du monde surnaturel. Est-ce que quelqu'un peut écrire avec moi le monde surnaturel? Shalom à tous ceux qui me suivent, hein, quel que soit le pays où tu es, quel que soit de là où tu me regardes. Shalom à toi. Est-ce que quelqu'un peut mettre en commentaire le monde surnaturel? Le monde surnaturel. Nous sommes à la troisième partie du monde surnaturel. Et nous avons, depuis la première sur le monde surnaturel planter le décor voilà en, en une phrase le monde surnaturel consiste pour nous euh, à savoir les différents compartiments dans lesquels nous voulons nous voulons ex, exercer le surnaturel j'explique rapidement quand quelqu'un veut opérer dans le surnaturel quand quelqu'un veut faire des pratiques euh, des pratiques qui ne sont pas du monde naturel mais qui sont dans l'autre monde, des pratiques, euh, euh, je vais dire spirituelles, surnaturelles, c'est à dessein. Quel est donc l'objectif qui t'anime quand tu veux faire le surnaturel Voici un peu. Et comme je disais, quand on dit le monde surnaturel, il existe plusieurs compartiments. Dans la manière dont, dans le monde actif, le monde réel, le monde naturel, il y a le monde des de, de, de sportifs, il y a le monde financier, il y a le monde, il y a le mariage, ainsi de suite. Donc, quand quelqu'un arrive et cherche à opérer dans le surnaturel, il arrive avec un objectif précis, d'accord Qu'est-ce que je veux faire Quelle quelle dimension ou bien quel quel quel, quel est le rôle ou bien quel est l'objectif du surnaturel C'est ce qu'on un peu on a appelé euh, le monde surnaturel, d'accord Les différents compartiments. Et nous avons pris le verset de base, je résume rapidement parce que je vais aller très vite aujourd'hui. Nous avons pris le verset de base, c'est 3 Jean, verset 2, bien aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. N'est-ce pas Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. D'accord Et donc, nous avons fait depuis la première fois euh, un, un, un lien entre la prospérité à tous égards, entre la prospérité de quelqu'un. Et, et, et sa vie spirituelle, d'accord Prospère à tous égards, comme ton âme prospère entre la vie, la vie spirituelle et ta prospérité à tous égards. Ça veut dire quoi Ça veut dire que un chrétien qui vit bien sa vie spirituelle, normalement, doit avoir des résultats dans sa vie physique. Premier élément, je souhaite que tu prospères à tous égards. Deuxième élément, euh, nous nous sommes rendus compte que euh, le, beaucoup de personnes ont une très bonne vie spirituelle, mais malheureusement, Vivre des difficultés sur le plan financier. Bon, pas sur le plan financier, sur le plan physique. Donc, nous, sommes, nous voulons que rattraper cela par le souhait qu'on a émis à Gaïus prospère à tous égards. La prospérité de ton âme, c'est la dimension surnaturelle que tu atteins. D'accord Donc, quand tu atteins une certaine dimension surnaturelle, il faut que cette dimension surnaturelle-là se, se ressente dans ton physique, dans ton monde physique. Ok. Deuxième élément, j'ai dit la semaine dernière que tu n'es pas obligé de faire du surnaturel. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, tu n'es pas obligé d'opérer dans le surnaturel. Non. J'ai été franc, j'ai été clair pour dire que l'opération du surnaturel arrive pour quelqu'un qui euh, euh, a des difficultés à accéder à quelque chose. Ça veut dire quoi concrètement? Je vais donner un exemple de travail. Il y a des familles dans lesquelles des personnes n'arrivent pas facilement à avoir du boulot, Ils peuvent avoir du diplôme. Mais malgré leur niveau de diplôme, ces personnes-là ne peuvent pas avoir du travail correspondant à leur diplôme. Et ce pas si je me fais comprendre. Il y a des gens qui ont des bacs plus 2, bacs plus 3, bacs plus quatre bacs plus 5. Mais tu vas voir que le boulot qu'ils exercent n'a rien à voir avec son, son niveau d'études. Ça devient difficile. Donc, quand humainement... Quelque chose est difficile. Quand humainement quelque chose paraît inaccessible, si tu veux effectivement l'obtenir, l'avoir, tu as besoin donc d'opérer dans le surnaturel. C'est bon? On se comprend? Je vais donner un autre, un autre exemple. Euh, Quelqu'un qui a des difficultés pour se marier, dans des familles comme ça, où peut-être les hommes se marient, mais les femmes ne se marient pas. D'accord? Donc si tu es dans une famille où les femmes ne se marient pas et tu fais ton effort, tu fais ton effort, tu n'arrives pas à, à franchir le cap du mariage, tu as besoin donc d'opérer dans le surnaturel. Donc je disais tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire d'opérer dans le surnaturel, pas du tout. Tu opères dans le surnaturel quand tu sais que ce pourquoi ou bien ton aspiration est difficile pour toi dans le monde réel, c'est-à-dire que malgré tes efforts, tu n'y arrives pas en ce moment précis tu commences à opérer dans le surnaturel. Est-ce qu'on se comprend? La semaine dernière, j'ai expliqué un peu, quand j'ai pris le cas du mariage, j'ai expliqué un peu selon euh, euh, la Bible, dans, dans la version biblique, selon la Bible, j'ai expliqué un peu le cas du mariage dans la Bible. Donc, on a pris la Bible et puis j'ai expliqué un peu quels sont les différents enseignements du surnaturel qu'on peut appliquer, d'accord, qu'on peut appliquer euh, dans, pour obtenir le mariage. Aujourd'hui, nous allons aborder un autre point. J'avais dit euh, la semaine dernière que quand nous regardons les différentes lois, quand nous regardons les différentes lois, quand nous regardons tout ce qui est donné comme enseignement dans le surnaturel, beaucoup peuvent nous servir. Beaucoup doivent nous servir, même d'ailleurs. Mais cependant, il faut que tu puisses savoir quel enseignement tu peux adapter à quel autre type en fonction du cas que tu vis. Donc, nous avons donné les enseignements. Euh, dans, le, dans le cadre du mariage, à donner les différents enseignements qu'on peut avoir, qu'on peut utiliser dans le cadre du mariage. Là, par contre, nous, sommes, nous allons aborder un autre, un autre sujet. Amen. Nous sommes tous dans l'opération du surnaturel. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet, je vais dire, financier, en même temps politique. D'accord Si un chrétien veut opérer, veut, veut être politicien. Je veux qu'on soit clair sur certains éléments. Il y a des dimensions en tant que chrétien que tu ne. Bon, pas en tant que chrétien même. Il y a des dimensions en tant qu'être humain que tu ne pourras pas atteindre de façon naturelle. Il faut qu'on soit concret, il faut qu'on soit clair. Je veux dire quoi Il y a certaines personnes que tu regardes, vous voyez, ce n'est pas tous les secrets qu'on dévoile ce n'est pas tout qui se dit sur la place publique. C'est pour ça justement que les enseignements que nous donnons sur le monde surnaturel, mais sur le surnaturel en général, nous recevons des coups de fouet, nous recevons des flèches. Pourquoi? Parce que ce ne sont pas des choses qui se disent. Vous allez voir quelqu'un qui a réussi, qui a atteint une certaine dimension, on va penser que c'est naturel. Quand je dis naturel, ça veut dire que c'est un processus normal. Non. Il y a des niveaux que tu ne pourras jamais atteindre de façon normale. Ça n'existe pas. Et je veux, je veux ramener quelque chose. Quand je parle sur, sur quand je dis surnaturel, c'est ce que les, certaines personnes appellent mysticisme. D'accord Mystique, maraboutage, fétichisme, tout ce monde-là. Tout ce monde spirituel, si vous voulez, pour qu'on comprenne bien. Tout ce monde spirituel. J'ai dit surnaturel parce que vous, allez, vous savez que j'ai fait une différence entre spirituel et surnaturel. Donc, c'est tout ce monde mystique-là. Que moi j'appelle surnaturel quand il s'agit du chrétien, quand il s'agit de la Bible. Voilà. Vous avez entendu certains pasteurs dire je suis surnaturel, et plutôt je suis mystique. Quand tu prends la définition du, du mot mystique, il n'y a pas de souci, ça passe. Mais comme aujourd'hui, être mystique a une connotation, c'est pour ça que je ne veux pas dire à un chrétien d'être mystique, non. Mais je préfère te dire sois surnaturel. Ça veut dire qu'on perd dans cette dimension-là. Les sorciers opèrent dans la dimension du surnaturel. Les féticheurs, les, les rosicristiens, tout cela opère dans cette dimension-là. Et ce qui manque, c'est l'Église. Or, oh, toute puissance vient de notre Dieu. Alléluia. Toute puissance vient de notre Dieu. C'est notre Dieu qui détient toute autorité. Et c'est le peu d'autorité que Lucifer a pris. Qui est descendu avec sur la terre, c'est avec ce peu d'autorité-là que nous observons les mystiques travailler, c'est avec ce peu d'autorité qu'on voit un sorcier qui malmène la vie de beaucoup de personnes. Ça veut dire que si le chrétien commence à entrer dans cette dimension aussi, il y a des choses que tu peux faire. Et depuis que nous enseignons le surnaturel, pour ceux qui pratiquent le surnaturel avec nous, ont vu des témoignages. Je ne veux pas euh, 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 rendre... Euh, euh, ces témoignages sur la place publique, j'en ai déjà parlé, mais ces personnes-là sont connectées. Beaucoup de personnes ont des témoignages, des sujets de prière qui n'avaient pas été exaucés depuis lors, mais qui, qui ont été exaucés par la pratique du surnaturel. Aujourd'hui, je vais m'adresser un peu à toute la sphère, je vais dire politique, politique financière. Amen. Nous allons prendre des passages que nous allons lire la politique est biblique. Et ma prière depuis que nous avons lancé domination optimale, ça fait près de un an. Euh, la, 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 ma prière, c'est que le chrétien domine dans tous les domaines, dans tous les dans, dans tous les secteurs d'activité. Mais tu ne pourras pas atteindre cette dimension-là si le surnaturel, si le monde invisible n'est pas autour de toi. Vous connaissez ces personnes, là je le disais tout à l'heure, qui ont des grands diplômes, mais que, que, que le, le travail qu'ils font ne reflète pas leur diplôme. Vous connaissez ces femmes-là toutes belles, cependant ne sont pas encore entrées dans les liens du mariage et ainsi de suite. Des personnes qui ont du talent mais qui ne décollent pas. Et vous allez rentrer dans les églises, faites le constat et c'est pour ça que je m'adresse aux chrétiens. J'ai toujours dit que domination optimale, c'est pour les chrétiens, ce n'est pas pour les païens. Si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas concerné par domination optimale. Domination optimale, c'est pour les chrétiens parce que je souhaite que tu sois à la tête et non à la queue. La Bible le dit. Alléluia. Donc, nous voulons atteindre un certain niveau. Et c'est pour ça que nous enseignons, regardez, dans la sphère politique, combien de chrétiens existent. Combien de chrétiens sont dans les grandes décisions dans nos pays. Nous voulons voir cela. Nous voulons voir des chrétiens sportifs de haut niveau. Nous voulons voir des chrétiens, mais riches à, un, à une certaine dimension. Et c'est pour ça que nous disons, on ne peut pas atteindre certains niveaux sans, sans, sans être surnaturel. Ce n'est pas possible. Vous voyez? Donc aujourd'hui, euh, malheureusement, c'est maintenant que euh, je vais dire, euh, ces enseignements-là sont en train de rentrer. L'Église a des phases, c'est normal. Aujourd'hui, la phase du surnaturel est en train d'être enseignée au fur et à mesure. Encore, ça, cho ça choque encore beaucoup de personnes quand on enseigne le surnaturel, mais c'est en train de prendre la place dans l'Église. Et à partir de ce temps-là, je vois que par la grâce de Dieu, beaucoup de choses seront repositionnées. Les princes à terre et les esclaves sur les chevaux, ça doit s'arrêter. Les, 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 les esclaves doivent revenir à terre et les princes doivent revenir sur les chevaux. Donc, nous allons parler oh, ce soir de l'aspect politique. D'accord? On va prendre dans la Bible, quand on dit aspect politique, c'est la royauté. Donc, on va prendre des exemples dans la Bible et on va voir quelles sont les lois du surnaturel dans ce qui est déjà enseigné qui peuvent te permettre d'atteindre ces dimensions-là. Le premier passage que nous allons lire, 1 Samuel chapitre 9, le verset 15 à 17. Quelqu'un marque avec moi? 1 Samuel chapitre 9, verset 15 à 17. Est-ce que ça te fait du bien? Je peux voir les commentaires. Je peux voir les commentaires, je peux voir les partages. Shalom, shalom à tous ceux qui nous prennent en marche. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci de nous suivre. Merci de nous suivre. Merci de partager. Amen. 1 Samuel, chapitre 9, verset 15 à 17. Nous allons lire. Laissez-moi retrouver le passage. 1 Samuel, voilà, chapitre 9. Verset 15 à 17. Est-ce que, est que, est que quelqu'un peut... Partagez cette vidéo, partagez cette vidéo, partagez cette vidéo. 1 Samuel chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 15. Il est écrit. 1 Samuel chapitre 9, verset 15 à 17, quelqu'un peut marquer la référence, il est écrit. Or, écoutez bien, or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, l'Éternel avait averti le prophète Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. L'Éternel dit, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin. Tu loindras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins. Car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu. Lorsque Samuel eut, verset 17, lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé, c'est lui qui régnera sur mon peuple. Nous allons commencer avec ça. D'accord? Et à partir de ce verset-là, je vais vous sortir les enseignements que j'ai déjà donnés qui correspondent à ça. Voici une question de royauté. D'accord Dieu, ou bien le peuple d'Israël a besoin d'un roi. Et quand nous lisons le passage, Dieu parle au prophète Samuel pour lui dire, j'ai choisi quelqu'un. Alléluia. C'est pour ça que je vous disais, il y a une certaine dimension que tu ne pourras pas atteindre si tu n'es pas dans des hautes sphères. Spirituel, c'est ce que les gens comprennent. Si tu n'es pas dans une certaine fête surnaturelle, tu ne peux pas. On ne peut pas devenir roi sans passer par beaucoup de choses. Après ces enseignements, je vais rentrer dans le sacrifice. Je vais enseigner le sacrifice, vous allez voir. Donc, je limite un peu ces enseignements que je donne sur le monde surnaturel parce que ça vient plus fort après le sacrifice. On va, on va parler du sacrifice. On ne peut pas atteindre. Dans ce passage-là, si quelqu'un se souvient, nous avons enseigné ce qu'on appelle la loi de l'appartenance. Quelqu'un peut marquer avec moi La loi de l'appartenance. Alléluia. La loi de l'appartenance, quand j'avais enseigné, ça stipule quoi J'ai dit dans la loi de l'appartenance que chaque être humain sur la terre appartient à un Dieu. D'accord Et c'est ce Dieu-là qui décide pour toi ce qui doit arriver. Donc, dans le niveau financier, sur l'aspect politique, sur l'aspect sportif, tout ça, j'ai lié toi aux finances. Un grand sportif, un grand économiste, tout ça, j'ai lié ça aux finances. La royauté. Donc, atteindre une certaine dimension. Tu ne pourras pas atteindre cette dimension-là si le Dieu auquel tu appartiens n'a pas décidé ça pour toi. Quelqu'un dit avec moi la loi de l'appartenance. Donc, si tu n'as pas suivi la vidéo La loi de l'appartenance, prière de retourner sur euh, euh, la page YouTube Revenant Prophète Herman Quadio, ou bien là où tu es en train de suivre maintenant sur Domination Optimale, tu retournes regarder La loi de l'appartenance. Vous allez comprendre. Donc, il y a un certain niveau politique que tu veux atteindre pour tous les chrétiens qui veulent faire la politique. Sache que ton niveau politique, la dimension de grandeur que tu veux avoir, la dimension de sommet que tu veux atteindre, la dimension de royauté que tu veux atteindre, tu ne pourras pas atteindre cette dimension-là si le Dieu auquel tu appartiens n'a pas décidé. Quand nous prenons le cas de Saül, la Bible dit que Saül était avec son père. Il n'avait, il pensait même pas à la royauté. C'est pour ça que j'ai voulu utiliser ces, ces là Saül ne pensait pas à la royauté. Il était tranquille dans son coin. Il croise le prophète et le prophète a déjà entendu, la veille de l'arrivée de Saül, le prophète a entendu la voix de Dieu lui dire que je t'enverrai quelqu'un que j'ai choisi pour être roi d'Israël. Le Dieu que Saül prit a décidé que Saül devienne roi le processus de la grandeur est lancé. Donc, c'est le Dieu que tu pries, c'est le Dieu que tu invoques dans le surnaturel, c'est ce Dieu-là d'abord qui positionne ta royauté, qui positionne ta grandeur financière. Donc, beaucoup de personnes veulent devenir grands, mais est-ce que le Dieu que tu pries, vous vous êtes convenu que tu dois devenir grand, est-ce que le Dieu que tu invoques, a déjà décidé sur ta vie que tu dois atteindre cet niveau de grandeur, que tes finances doivent atteindre cet niveau. Vous savez, on peut vivre normalement. J'ai mon petit salaire, j'ai ma petite vie, je mène. Mais atteindre la grandeur, c'est un autre palier. Et je veux que tu atteignes la grandeur. Et pour atteindre cette grande grandeur-là, il y a ce que j'ai expliqué, la loi de l'appartenance. Quelqu'un dit avec moi, la loi de l'appartenance. Donc, le Dieu auquel tu appartiens, il y a deux choses dans la loi de l'appartenance. Si vous vous en souvenez, je fais le résumé, mais je veux que quelqu'un aille suivre cette vidéo-là. Si tu n'as pas encore regardé, va regarder la loi de l'appartenance. La chose que je veux que tu regardes, c'est que tu comprennes, c'est quoi? C'est que dans la loi de l'appartenance, il est dit quoi? Que le Dieu que tu pries, c'est lui qui décide tout sur ta vie. D'accord? Et rien ne t'arrivera si le Dieu que tu pries n'a pas validé. C'est à partir de là que j'ai débouché sur le monde des dieux. Donc, allez-y regarder la loi de l'appartenance pour celui qui n'a pas suivi. Ça veut dire que tu ne deviendras pas riche ben, à cette dimension de richesse-là si le Dieu que tu pries n'a pas validé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu n'auras pas cette renommée que tu recherches si le Dieu que tu pries n'a pas validé. Tu ne seras pas un grand footballeur, pour mes fils footballeurs qui sont connectés, si le Dieu que tu pries n'a pas validé. Tu ne, seras pas, tu ne seras pas une grande femme, une grande, une grande personnalité dans le monde si le Dieu que tu pries n'a pas validé. C'est en ce moment-là que vous allez voir, quelqu'un va, va voir un féticheur un mystique pour lui dit, je veux rentrer en connexion avec un Dieu. Donc, on va lui dire, va au bord de la mer, fais telle situation, fais telle chose, on parlera de ça après. Ou bien, on reviendra dessus quand on fera le, le monde surnaturel, mais dans la saison 3, parce qu'il y a d'autres aspects du monde surnaturel que je ne vais pas toucher maintenant. D'accord Donc, il y a des actions, il y a des choses qu'on fera pour que le Dieu que tu invoques décide de t'élever. Donc, le premier niveau pour tous ceux qui vont faire la politique ou bien pour tous ceux qui aspirent à un certain niveau dans leurs finances, parce que là, ils sont en train de parler de finances aujourd'hui. Amen. À un certain niveau de grandeur, quel que soit ton domaine, quel que soit ton secteur d'activité, le Dieu que tu pries doit valider cela. Alléluia. Maintenant, pourquoi, pourquoi j'ai parlé de la loi de l'appartenance Parce que vous allez vous rendre compte que c'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de combats. C'est un secteur dans lequel il y a beaucoup de défis. Alléluia. Il y a beaucoup d'attaques. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la loi de l'appartenance. Parce que vous savez que dans la loi de l'appartenance, rien ne t'arrivera si le Dieu que tu pries n'a pas validé. Si je prends par exemple en politique, il y a plusieurs personnes, mais il faut que toi, tu sois député. Mais quand tu es candidat aux législatives, il y a d'autres candidats. Est-ce que je parle à quelqu'un Les autres candidats, là, ils iront faire ce qu'ils ont à faire. Les autres candidats iront faire leur adoration. Les autres candidats iront faire leur, leurs actions dans le monde mystique. Mais toi, le chrétien, qu'est-ce que toi tu feras C'est après tout ça, quand chacun va finir, et puis il y a, y, a, y a quelque chose qui va se passer. Donc, le Dieu auquel tu appartiens validera pour toi afin que ta dimension politique monte. Donc, tu veux, être, tu veux être député, tu veux être maire, tu veux être ministre, tu veux être signé, tu veux signer dans un grand club. Il y a tout ça là. Il y a tout l'aspect que tu veux atteindre. Il faut que le monde invisible ou le Dieu que tu pries se mette à ta disposition. Décide cela pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut continuer parce que je veux qu'on comprenne bien. Donc, je, vais, je suis en train de renfermer ou bien résumer euh, les différentes lois. Pour ceux qui se souviennent la semaine dernière, si tu n'as pas regardé la vidéo la semaine dernière, priez de faire le coup à cette vidéo-là pour regarder sur la page YouTube Révérend Prophète Herman Quadio ou bien sur Domination Optimale. Toutes les vidéos seront là. Amen. Je disais la semaine dernière qu'il y a deux lois ou bien il y a deux enseignements fondamentaux dans le surnaturel. Va regarder, discerner les signes de la nature. Il faut que tu connaisses ça parce que c'est les bases. De celui qui veut opérer dans le surnaturel. À chaque nouvelle lune, à ton jour de naissance et tout le reste, j'ai déjà enseigné. Ensuite, j'ai enseigné ce que j'ai appelé la loi de l'attraction. C'est les deux éléments qui ont déjà. J'ai dit ce, avec ces deux éléments, c'est la base de l'opération de tout surnaturel. Maintenant, je m'adresse à quelqu'un. Tu veux devenir prospère. Tu veux, tu es une femme, tu es un homme. Tes enfants sont là. Tu veux que tes enfants atteignent la grandeur. Tu ne veux pas être à la queue, tu veux être à la tête. Tu veux atteindre un certain niveau de richesse, un certain niveau de prospérité. Alléluia. Si tes finances te suffisent là où tu es, tu n'as pas besoin du surnaturel. Mais si tu veux atteindre un certain niveau de grandeur, alors tu as besoin que le surnaturel se manifeste pour toi. N'est-ce pas? Pour que le surnaturel se manifeste pour toi, en ce moment précis, je dis à quelqu'un la loi de l'appartenance. Est-ce qu'on se comprend? Qu'est-ce que le Dieu que tu pries a décidé pour toi Est-ce que le Dieu que tu pries a validé Est-ce que tu as réussi à le convaincre Est-ce que tu as réussi à parler avec lui Je souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Alors quelqu'un me demandera comment je peux convaincre le Dieu Le jeune surnaturel existe pour ça. Alléluia. J'ai donné des enseignements pour la croissance de l'homme surnaturel, de la femme surnaturelle que tu es. À partir de cet instant précis-là, à partir de ce temps précis, tu peux rentrer dans le cœur de, du Dieu que tu pries afin que des choses bougent pour toi. Amen, amen. Est-ce que, est que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Je veux te sentir, je veux te sentir. Est-ce qu'on peut continuer Alléluia. Bien. Donc, dans le passage que nous avons lu, nous avons vu que la royauté, la royauté de Saül est partie du fait que son Dieu a décidé de faire de lui un roi. D'accord On va lire un autre passage c'est la même chose, hein. On va lire un autre passage. C'est pratiquement la même référence, c'est la même chose. 1 Samuel toujours. 1 Samuel chapitre 16. 1 Samuel chapitre 16. C'est un autre roi que vous connaissez bien. 1 Samuel chapitre 16, verset 1. L'Éternel dit à Samuel, 1 Samuel chapitre 16, verset 1, quand ce sera tu de pleurer sur Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus. Remplis ta conduite. Va je t'enverrai chez Isaïe, Bethléem, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Bien, verset 11. Verset 11. Puis Samuel dit Sont cela tous tes fils Il répondit, il laisse encore le plus jeune, mais il fait pète les brebis. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu. Isaïe l'envoya chercher. Oh, il était blond, de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel Lève-toi, oins le car c'est lui. Samuel prit la conduite et au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là. Donc, David est dans le champ. Il n'est au courant de rien. Est-ce que vous voyez ces passages là que je dis David ne sait rien, absolument rien. Il est dans le champ là-bas. Quand Dieu décide de faire de David le roi d'Israël, la volonté de son Dieu, le Dieu auquel tu appartiens, prend une décision pour toi. Est-ce que tu veux faire de la politique Est-ce que tu vas atteindre une certaine dimension de grandeur Est-ce que tu vas atteindre un certain niveau, quel que soit l'aspect dans lequel tu es Le Dieu que tu pries, le Dieu que tu invoques, ce Dieu-là, s'il prend une décision, ce Dieu-là peut te faire monter. Donc, c'est la décision de Dieu de faire monter David au plan de la royauté. Beaucoup de chrétiens se débattent seuls. Sans avoir touché Dieu. C'est ça votre problème. Hein? Et c'est pour ça que nous sommes en train de parler du surnaturel. Vous allez voir beaucoup de chrétiens se lèvent le matin très tôt. Je m'en vais au travail. Ne dorme pas. Rentre ici. Bouge ici. Ils font tout sauf l'essentiel. L'essentiel pour toi, là, c'est d'être en accord. L'essentiel pour toi, c'est d'être en harmonie avec le Dieu que tu pries. La loi de l'appartenance commence à s'appliquer pour toi. Beaucoup de chrétiens souffrent, beaucoup de chrétiens pleurent, beaucoup de chrétiens ne voient aucun résultat parce que tu te débats physiquement au lieu de faire recours à ton Dieu. David était dans les champs, hein. il n'a pas lutté pour être roi. Non, 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 l'onction d'huile est allée le trouver là-bas parce que Dieu dit Je l'ai choisi. Donc, le jour ton Dieu décide que tu vas atteindre un certain niveau financier, c'est fini, le processus est lancé. Donc, au lieu de courir, de te débattre par-ci, par-là, débat-toi pour rentrer dans le trône de ton Dieu, pour rentrer dans le cœur de ton Dieu, parce que la loi de l'appartenance stipule que rien ne t'arrivera si ton Dieu n'a pas décidé. Donc, quand tu te lèves à 6 heures, il y a des gens qui n'ont même pas le temps de prier, tellement ils sont en train de se bousculer. Mais vous allez voir que vous tournez en rond, ta vie tourne en rond. Pourquoi? Parce que tu n'as pas le surnaturel, tu n'as pas le spirituel, tu n'as pas ton Dieu engagé derrière toi. Est-ce qu'on se parle? Donc, l'argent que tu recherches là, viens toucher ton trône, viens, 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 viens appliquer la loi de l'appartenance, mets-toi dans ton esprit que je n'aurai pas cette richesse là si le Dieu que je prie n'a pas validé. Parce que tout le monde appartient à un Dieu, que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il y a un Dieu derrière toi. Maintenant, quand il y aura une confrontation, on va lire ça tout à l'heure, qui va parler pour toi La loi de l'appartenance. Rien ne t'arrivera si ton Dieu que tu pries n'a pas décidé la chose. Donc, le premier élément, j'avais déjà parlé de discerner les signes de la nature. J'ai parlé de la loi de l'attraction. Là, maintenant, je viens de vous parler de la loi de l'appartenance. Alléluia. Donc, tu veux que ton ministère soit grand. Tu veux être reconnu dans le monde entier, partout, tout ce que tu veux là. Il faut que le Dieu auquel tu appartiens valide d'abord la loi de l'appartenance. Deuxième élément, repartons 1 Samuel chapitre 11. Verset 11 à 14. Est-ce que quelqu'un, est-ce que je peux voir les commentaires? Est-ce que je peux voir les likes? Est-ce que je peux voir les partages? Alléluia. J'espère que cette vidéo te fait du bien. Amen. Allons-y. 1 Samuel chapitre 11, verset 11 à 14. On va lire une deuxième référence. Donc, je m'adresse à tous ceux qui sont là. Hein? Les footballeurs. Tu t'en vas jouer au foot. D'accord. C'est bon. Mais tu seras grand à condition que le Dieu auquel tu appartiens valide ça. Politicien. Tous les domaines, la loi de l'appartenance. Verset 11. Le lendemain, 1 Samuel chapitre 11, verset 11 à 14. Est-ce que quelqu'un peut marquer cette référence-là Il est écrit Le lendemain, Saül divisa le peuple en trois corps. Il pénétra dans le camp des Ammonites à la veille du matin et les battit jusqu'à la chaleur du jour. OK Ceux qui échappaient furent dispersés il n'en resta pas deux ensemble. Le peuple dit à Samuel qui est-ce qui disait, Saül régnera-t-il sur nous? Livrez ces gens et nous les ferons mourir. Mais Saül dit, personne ne sera mis à mort en ce jour, car aujourd'hui l'Éternel a opéré une délivrance. Amen. Verset 14. Et Samuel dit au peuple: Venez et allons à Gilgal pour y confirmer la royauté. De quoi il est question? Saül a été, a été ouin par David. Nous sommes dans la loi de l'appartenance. Il a été oué par David et plutôt par Samuel pour être roi. Mais la dimension que je, tu vas atteindre, écoute-moi très bien, toi qui veux atteindre des dimensions du surnaturel, sache qu'il y aura toujours des oppositions face à toi. C'est pour ça justement que tu as besoin d'être équipé. Vous n'allez pas voir tous les politiciens que tu, vous voyez là, que ce soit en Europe ici aux États-Unis, en Afrique. Il n'y a pas de grand politicien qui n'a rien, qui n'a pas de source mystique derrière lui. Ça n'existe pas. Détrompez-vous. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas atteindre ce niveau. Il n'y a pas de grand riche, riche, riche que vous voyez là. Il n'y a pas un seul riche qui n'a pas de source mystique, qui n'a pas de source spirituelle derrière lui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah, Est-ce que je parle à quelqu'un Tu ne peux pas atteindre tous ces grands, tu ne peux pas atteindre cette dimension-là s'il n'y a pas le spirituel ou le surnaturel ou le mystique derrière toi. Ça n'existe pas. Donc, à chaque niveau, à chaque palier que tu vas chercher à atteindre, il y aura de l'opposition. Quand Saül a été oint, il y a des personnes qui ont dit, on n'est pas d'accord. Saül ne régnera pas sur nous. Écoutez-moi bien. Alléluia. On ne veut pas que Saül règne sur nous. Nous ne sommes pas d'accord pour ça. Mais le passage que nous avons lu, il est écrit. Il y a des gens qui vont dire, mais quels sont ceux qui s'opposaient à Saül? Amenez-le quand on les tue. Non, Samuel va dire, on, on ne les tuera pas. Mais venons confirmer la royauté de Saül. Mais à quel moment la royauté de Saül a été confirmée? Parce que Saül qui s'est levé a posé une action pour libérer le peuple d'Israël. Le deuxième élément va suivre, va regarder la vidéo. La loi de l'action, j'ai parlé de ça. Donc, quand tu auras déclenché la loi de l'appartenance, quand ton Dieu aura décidé quelque chose pour toi, et que tu sais que ton Dieu a dit que tu seras grand, ton Dieu a dit que tu vas atteindre une certaine sphère, ton Dieu a dit que tu seras un certain niveau, ton Dieu a dit, quand tu sais que ton Dieu a déjà prophétisé ça sur ta vie, beaucoup de personnes restent bloquées. Leur vie ne décolle pas, malgré les paroles. Pourquoi? Parce que tu n'es pas, pas entré en action. La loi de l'action a manqué. Le deuxième élément, quelqu'un dit avec moi, la loi de l'action. Écris avec moi la loi de l'action. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? La loi de l'action. Donc, la loi de l'appartenance fait que quelqu'un, ton Dieu, décide pour toi. Mais comme je disais, regardez, il y a plusieurs personnes à qui on a prophétisé la grandeur. Plusieurs personnes, ceux qui en on ont prophétisé, tu seras béni, tu seras grand, tu vas faire ceci. Et puis regarder leur vie ne ressemble en rien à ce que la prophétie a annoncé. Pourquoi Parce qu'il manque l'action. Le deuxième élément, quelqu'un dit avec moi, la loi de l'action. Si tu n'as pas regardé, recours à la, aux vidéos de l'année passée, regarde la loi de l'action, tu sauras de quoi je parle. Ce sont des lois surnaturelles. La loi de l'appartenance est une loi surnaturelle. La loi de l'action est une loi surnaturelle. La Bible dit une va se lever pour aller en combat. Il faut quelque chose. Tu es un homme politique. Il y a des actions. Quand Dieu a fini de te oindre dans le secret, quand la, la, Dieu a fini de parler dans le secret, quand Dieu a fini d'agir dans le secret, maintenant, sois sur le terrain. La loi de l'action. Il y a plusieurs personnes, j'ai vu des pasteurs à qui Dieu a dit tu seras président, mais on ne le connaît pas. Il ne fait rien. Peut-être qu'il a reçu l'onction. La loi de l'appartenance dit que tu seras le président. Mais il n'agit pas. Il ne fait rien. Il ne pose aucune action. Jusqu'à la veille de l'élection, il vient déposer sa candidature et puis il dit, Dieu dit, c'est le président. Mais tu ne le seras pas. Je suis désolé. Le surnaturel ne fonctionne pas comme ça. Il y a la loi de l'action. La loi de l'action fait que les actions que tu poses, Dieu utilise la petite action que tu poses pour installer ton nom dans le monde. Est-ce que je parle à quelqu'un même La petite action que tu vas poser, Dieu va utiliser l'action pour, pour confirmer ta royauté, pour confirmer ta grandeur, pour confirmer qui tu es. Je parle à celui qui veut atteindre un certain niveau de grandeur. Est-ce que je te parle? Est-ce que quelqu'un entend ma voix? Dis avec moi la loi de l'action. Donc, tu ne peux pas atteindre ce niveau-là s'il n'y a pas d'action. Dieu t'a parlé. Il faut que tu poses des actions. C'est les actions que tu vas poser là que, qui, vont, qui vont te faire entrer dans le cœur des gens. Politique, sportif, tous les domaines. D'accord Je vais vous... Souvent quand j'enseigne le surnaturel, je vous ramène à la réalité que tout le monde connaît pour que tu comprennes mieux. Regardez, une femme va aller chez un féticheur et elle va dire... Euh, J'ai un homme qui me plaît bien, il s'appelle Herman Kwadio, je veux l'envoûter, je veux qu'il soit mon mari. Ok. Envoie sa photo. Elle va envoyer sa photo. Elle va envoyer ma photo. J'ai pris mon nom pour ne pas que quelqu'un dise Je l'ai envoûté. <laughs> Amen. Donc, regardez bien. Quand celui qui pose l'action va finir de poser l'action, il va donner des instructions à la dame là, pour dire pour que Herman Kwadio soit amoureux de toi, va, prépare la nourriture, mets telle chose dans la nourriture, donne-lui à manger, fais comme ça. Faut faire telle chose. Prends, lave ses habits. Débrouille-toi pour prendre telle chose. Quand tu as fini de faire ça, il va te suivre comme un mouton. Donc, au-delà de l'aspect surnaturel, au-delà de la loi de l'appartenance, il y a l'action maintenant qu'on pose. Et c'est l'action qui est posée, qui déclenche maintenant le processus du, du miracle que tu veux voir se matérialiser. Est-ce que quelqu'un me comprend même J'espère que je, je me fais comprendre que c'est clair. Donc comme je disais, beaucoup de personnes s'arrêtent au niveau de la loi de l'appartenance quand leur Dieu décide. Donc je connais des personnes, tu seras grand, tu seras comme si tu seras comme si la prophétie est donné la loi de l'appartenance, le Dieu que tu sers a décidé de. Maintenant, qu'est-ce que toi tu fais à partir de là C'est pour ça que regardez dans les églises, plusieurs prophéties ne s'accomplissent pas. Mais pour qu'une prophétie s'accomplisse, pour que quelque chose se manifeste, la loi de l'action doit rentrer dans le chemin. La loi de l'action doit passer. Donc personne n'était d'accord pour que Saül règne. Mais la Bible dit il y a eu une nation qui voulait, qui voulait mettre la honte sur, euh, sur Saül, sur, sur le peuple d'Israël. Saül dit je ne peux pas accepter ça. Et donc, quand Saül va se mettre au devant, qu'il va défendre le peuple, à partir de, de ce moment-là, tout le monde commence à accepter. Quelle est l'action que tu vas poser? Alléluia. Je dis à quelqu'un, tu veux devenir grand. Quelle est l'action que tu vas poser qui va faire du bruit dans ta nation? Quelle est l'action que tu vas poser, homme politique, footballeur? Qu'est-ce que tu vas faire qui va faire du bruit de sorte que tout le monde entende parler de toi? La loi de l'action. Oh my God, rebobora, des Regardez, continuons la lecture, continuons la lecture. Quelqu'un marque avec moi 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 18 plutôt, verset 6 au verset 7. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Je suis en train de parler de tout ce qui est aspect financier. Donc Dieu ne peut pas prophétiser sur toi. Dieu ton Dieu ne peut pas déclarer que tu vas atteindre un certain niveau de grandeur et puis toi tu n'agis pas. C'est comme ça que beaucoup de personnes ont perdu les campagnes. Beaucoup de chrétiens dans tous nos pays, dans tous les pays que ce soit en Europe partout, il y a des chrétiens à qui l'homme de Dieu a révélé toi, tu seras ministre, toi, tu seras député, toi, tu seras ceci. Dieu a parlé, mais l'action n'a pas suivi. La loi de l'action il faut que l'action suive. Est-ce que je parle à quelqu'un même? 1 Samuel chapitre 18, on va lire verset 6 au verset 7. 1 Samuel chapitre 18, on va lire verset 6 au verset 7. Tout à l'heure, nous avons lu 1 Samuel chapitre 16, là où Samuel a mis l'huile sur la tête de David. 1 Samuel chapitre 18, verset 6 au verset 7. Est-ce que ça fait du bien à quelqu'un? Je veux voir, je vais voir les commentaires, je veux voir les commentaires, je vais voir les partages. 1 Samuel chapitre 18, verset 6. Il est écrit. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins, des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres en disant Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. Saül a frappé ses mille et David ses dix mille. Regardez, voici des femmes qui sont en train de chanter le nom de David. Alléluia. Les femmes qui sont en train de chanter le nom de David, mais elles ne connaissaient pas David une heure ou bien on va dire un jour avant. Toute l'Israël qui est en train de chanter le nom de David ne connaissait pas David. L'huile était sur la tête de David, la loi de l'appartenance était déjà manifestée. Le Dieu de David avait décidé de faire de lui roi d'Israël. Je ne sais pas ce que ton Dieu a décidé de faire de toi. La grandeur est déjà peut-être sur ta vie. Tu as déjà entendu ces promesses, ces prophéties de l'Éternel, que tu seras un grand homme de Dieu. Tu as déjà entendu ces promesses-là, que tu vas parcourir les nations. Tu as déjà entendu ces promesses-là qui disent, Dieu va t'utiliser d'un certain niveau. Tu seras une femme puissante politique, une femme puissante riche, une femme d'affaires puissante, un homme d'affaires puissant. La prophétie a été libérée sur toi. La loi de l'appartenance est manifestée. Deuxième chose, la loi de l'action. La promesse était sur la vie de David, mais quand nous lisons le passage 1 Samuel chapitre 17 va nous montrer clairement que David va rentrer dans l'action. Alléluia. Donc, quel que soit le niveau, tu es footballeur, tu es musicien, quel que soit le niveau, dès qu'on a fini de faire l'action surnaturelle, maintenant la loi de l'action. Je vous disais tout à l'heure, la petite action que tu vas poser, c'est cette petite action-là que l'éternel, ton Dieu, va pousser pour te donner un nom. Donc, David dit, il, il voit Goliath, et comme l'onction est sur sa vie, la promesse est sur la tête de David, il décide donc d'entrer en conflit. Il pose l'action maintenant qu'il faut, c'est-à-dire de tuer Goliath. Quand vous lisez le passage, la Bible dit c'est une seule pierre que David a lancée. C'est la seule pierre là qui a terrassé Goliath. Quand nous lisons, nous comprenons que la loi de l'appartenance est rentrée en action. La loi de l'action s'est manifestée. Donc la, le petit geste de David a fait que son Dieu a poussé le geste. Quand Goliath tombe, tout le monde commence à célébrer. Regardez, la porte de la présidence de la République est ouverte pour David. La porte est ouverte pour David. J'ai des chrétiens qui veulent être des politiciens. J'ai des chrétiens qui veulent être au pouvoir. J'ai des chrétiens qui veulent régner, mais qui ont peur des actions. Attends, comment ça peut se passer? Ce n'est pas possible. Quel que soit ce que Dieu t'a dit, si tu n'entres pas dans l'action, tu ne peux pas être un grand politicien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Qui allait s'opposer à Goliath? C'est cette action-là. Ma prière pour toi, c'est que tu poses l'action que tu, vas, tu dois poser et que par cette action, ton nom soit partout dans le monde. Que ton nom soit répandu et que par cette action, tu atteignes la grandeur au nom de Jésus de Nazareth. chez Chekedebri. La loi de l'action. Les footballeurs, souvent, c'est un seul match que tu joues. J'ai lu le témoignage de. L'histoire de Cristiano Ronaldo. Le, le, le Manchester United, United je pense que les footballeurs peuvent confirmer ce que je vais expliquer. Manchester United s'en va jouer à, 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 au Sporting. Un match amical, je crois. Je crois que c'était un match amical contre le Sporting. Personne ne connaissait Ronaldo. Personne ne connaissait Cristiano Ronaldo. On ne le connaissait pas. Il était dans un petit club à Lisbonne. Mais il joue un match amical face à Manchester United. À la fin du match, il y avait un seul nom. C'était le nom de Cristiano Ronaldo. À partir de ce match-là, le coach Ferguson, dans le temps, dit, moi je veux de ce joueur-là. Et voici comment il va sortir du Portugal pour rentrer à Manchester United. Et de Manchester United, il est devenu ce qu'il est devenu. Mais combien de joueurs talentueux sont dans les petits clubs Combien de joueurs talentueux sont là Il n'est pas le plus grand talentueux, mais il est celui qui a posé l'action qu'il fallait et l'action l'a rendu grand. Une seule action peut changer ta renommée. Une seule action peut te rendre grand. Ma prière pour toi. Qu'un seul miracle peut changer la face de ton ministère. Ma prière pour toi. Que cette seule action-là se présente à toi. Que tu poses la seule action qui te rendra grand. Et à partir de cette action-là, quand Goliath tombe, la Bible dit, les femmes commencent à chanter le nom de David. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? La loi de l'action. Donc, il y a plusieurs lois comme ça que j'ai enseignées dans le surnaturel qui peuvent te permettre. C'est-à-dire, l'enseignement que je donne maintenant, c'est comment est-ce que je transfère les enseignements que j'ai reçus dans le surnaturel dans le monde physique pour que je domine. Je reviens sur mon exemple de tout à l'heure. Comme je disais, le féticheur va dire à la dame là Ok, j'ai fait ton action pour que Herman soit amoureux de toi. D'accord Donc, à partir de maintenant, débrouille-toi pour que Herman te salue. Il y a une action à poser. Quand il va te serrer la main, en même temps, le médicament va marcher. Débrouille-toi pour que Herman mange ta nourriture. Donc, il y a toujours une action qui accompagne le surnaturel. La loi de l'action. Et beaucoup de personnes ne voient rien parce qu'il n'y a pas d'action qui accompagne. Donc, quand David tu finit de tuer, à partir de ce moment-là, c'est fini. On chante son nom et les portes de la présidence sont ouvertes. Est-ce que je peux m'adresser à un politicien? Quelqu'un qui me regarde, si tu connais un parent, quel que soit le pays auquel il appartient, où il est, si c'est un chrétien qui veut réussir dans la politique, au-delà de l'action que nous allons poser dans le surnaturel, parce que vous convenez avec moi que je ne suis pas en train de tout dire, il y a des prières qu'on fait après, n'est-ce pas? Mais je vous enseigne des, des éléments de base. Au-delà de ça, quelle est l'action que tu vas poser pour que la nation parle de toi? Tu ne peux pas te présenter, tu ne peux pas te arriver à la, à la veille des élections présidentielles et puis dire, Dieu dit, c'est le président. Ça ne se passe pas ainsi. Regardez, quand David a posé l'action, il devient, il devient roi 18 ans plus tard. Mais déjà, tout le monde chante son nom. Aujourd'hui, on a un président dans tous les pays. Mais d'ici là, il y aura des élections. Qui on va choisir? C'est l'action que tu vas poser, que l'Éternel va faire retentir dans la nation. En ce moment-là, tout le monde dira Nous voulons Michel Kofi pour être ministre. Nous voulons Michel Kofi pour être temps. Nous voulons Liliane pour occuper tel poste. Parce que là, dans, dans le pays, il y a eu une action qui a été menée. Est-ce que je parle à quelqu'un Est-ce que je parle à quelqu'un Donc, quelle que soit la dimension, quel que soit ce que tu veux atteindre, il faut que l'action la, t'accompagne. Il faut qu'il y ait l'action. Et c'est là que beaucoup de chrétiens. C'est là que beaucoup de chrétiens tombent. C'est là que beaucoup de chrétiens n'évoluent pas parce que les actions ne vous accompagnent pas. Église, la Bible dit, et nous avons lu tous ces versets-là soyez à la tête et non à la queue. Alléluia. Quelle que soit la grandeur, regardez, tu vas aller les grands artistes, les grands comédiens, les grands footballeurs, quelle que soit la dimension, quand tu as fini de faire, il faut l'action pour accompagner sur le terrain. Il faut l'action pour accompagner. Il y a le retentissement de l'action. Souvent, tu peux avoir l'impression que l'action n'a pas porté, mais ça retentit sur le terrain. Il y a des personnes qui m'appellent que je ne connais ni d'Adam ni d'Eve. Je, je ne les connais pas, mais ces personnes m'appellent pour dire Ton enseignement sur le surnaturel m'a fait du bien. Oh, que l'Éternel te bénisse pour ton enseignement sur le surnaturel. Tel thème, et à partir de tel thème, j'ai regardé toutes tes vidéos des pasteurs qui appellent. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'action d'enseigner le surnaturel, Dieu l'a utilisé pour répandre mon nom partout. Donc il y a quelque chose que tu dois faire. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend Est-ce que quelqu'un entend ma voix Il y a quelque chose, il y a l'action que tu dois poser. Est-ce que je parle à l'église ce soir Donc quand je dis le monde surnaturel, la semaine dernière, j'ai touché l'aspect du mariage avec les lois qu'il fallait appliquer pour le mariage. Aujourd'hui, je viens de toucher l'aspect politique, l'aspect financier, les deux, parce que que tu sois sportif, que tu sois musicien, que tu sois euh, 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 acteur, quel que soit le domaine dans lequel tu es, quand tout ça doit venir vers la richesse, vers les finances, j'ai lié ça au même monde, le monde des finances. Ce, ce, ce monde-là, j'ai dit deux éléments. Premièrement, la loi de l'appartenance, ça veut dire que, que ton Dieu décide pour toi cette grandeur-là que ton Dieu le décide pour toi. Ensuite, la loi de l'action. Il y a plusieurs autres choses. Il y a plusieurs autres choses. Comme je dis, euh, je ne vais pas plus loin parce que euh, par la grâce de Dieu, il y a d'autres enseignements qui viendront. Donc, pour toi qui me suis aujourd'hui pour la première fois, sache qu'il y a déjà plusieurs vidéos qui existent. Va sur la page YouTube, révérend prophète Herman Kouadio, tu verras tous les enseignements du surnaturel. La Bible dit, je vais terminer par là. Euh, prospère à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Ça veut dire que si tu as un grand niveau du surnaturel, les résultats sur le monde physique va, vont suivre. Donc le souci que tu as aujourd'hui, c'est que dans le surnaturel, tu n'as pas encore atteint un niveau. C'est ça le problème. Il y a des dimensions, j'ai parlé déjà tout à l'heure, je vais revenir sur ça pour terminer. Il y a des dimensions que tu ne pourras pas atteindre si tu n'as pas un certain niveau surnaturel. Si tu veux, un certain niveau spirituel. Ce n'est pas ta volonté. La volonté existe, ça c'est la loi de l'attraction. Mais au-delà de ça, prospère comme l'état de ton âme prospère. C'est pour ça que nous en sommes le surnaturel. Sois un grand. Vous voyez que chez les autres, ils sont des grands mystiques. Il paraît que c'est le président de la franc-maçonnerie d'un pays qui est le président de la République. Donc il paraît, c'est ce que les gens disent. Je ne sais pas. Je ne peux pas confirmer. Le président de la loge, il paraît que c'est lui qui est le président de la République. Mais dans les lois du surnaturel, c'est normal. Si c'est le plus gradé, c'est normal que ce soit lui qui soit le président de la République. C'est comme ça. Donc, ton problème, c'est que tu as le désir d'être grand. Mais tu n'es pas grand spirituellement, tu n'es pas grand surnaturellement. Ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. Quand je dis spirituel, je vais expliquer. Spirituel, surnaturel. Donc, tu ne pourras pas être grand. Tu ne pourras pas atteindre ce niveau-là. Si, dans le surnaturel, tu n'es pas grand. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que, je le disais tout à l'heure, il y aura des oppositions, il y aura des attaques, il y aura des flèches qui seront lancées. Et des flèches lancées, ce n'est pas dans le monde physique qu'on lance les flèches. Il n'y a pas d'homme d'État. Ça n'existe pas. En tout cas, c'est Herman Dieu qui le dit. Je ne crois pas en ça. Il n'y a aucun homme d'État qui n'est pas assis sur quelque chose de mystique, sur du surnaturel. Ça n'existe pas. Donc, la grandeur que toi tu veux, tu vois des gens qui remplissent les stades, tu vois des gens qui ont atteint certaines dimensions, la loi de l'appartenance. Est-ce que ton Dieu l'a décidé Oui, ton Dieu l'a décidé. Ton Dieu, toi, vous êtes entendu La Bible dit, quand vous voyez le cas de David que j'ai pris tout à l'heure, David a atteint ça dans 15, 16, 17 ans. Donc, ton Dieu l'a décidé, il n'y a pas de souci. Ça va se faire. D'accord Parce que ton Dieu l'a décidé. Mais il faut que ton niveau monte. Il faut que ton niveau monte. Si ton niveau ne monte pas, tu ne peux pas atteindre cette dimension-là. Pour rentrer dans le gouvernement, on va rentrer la semaine prochaine, si Dieu le permet. Je commence à enseigner le sacrifice. Vous allez voir de quoi il est question. Donc, tu ne peux pas rentrer dans le gouvernement comme ça, sans poser d'action. Ça ne se passe pas. Ça, n ça ne passe pas. Quelle est ta dimension surnaturelle? Et c'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle les chrétiens sont à la traîne. Tu as le désir, tu as la volonté, d'accord, tu veux le faire, tu te débats, d'accord. Mais dans le surnaturel, là, tu es petit comme ça. Tu es tout petit dans le surnaturel. À partir de ce temps-là, tu ne peux pas grandir. Ces résultats-là, on les a à partir du moment où, dans le surnaturel, tu es fort et tu es puissant. Et c'est pour ça que je, je, je bénis Dieu pour les témoignages que nous avons. Je bénis Dieu pour tous ceux qui. Qui, qui, qui ont commencé à pratiquer déjà le surnaturel avec moi, ont déjà eu ces témoignages-là. On a vu que quand j'ai commencé à pratiquer le surnaturel, voici à quel niveau, voici ce qui s'est passé. Des gens qui étaient en train de perdre leur emploi, se sont, se sont, ont vu leur emploi être sauvé à cause du surnaturel. Sinon, la personne ne retrogradait. La personne ne retrogradait. Donc, si quelqu'un dans ta famille a bloqué ton mariage, c'est avec le surnaturel qu'il a bloqué ton mariage, c'est la sorcellerie. Moi, j'appelle surnaturel tout ce monde-là. D'accord donc, un sorcier bloque ton mariage. Mais comment toi tu vas le débloquer? Surnaturel. Surnaturel. Sinon, tes petites prières, tes petits prières ne bougent pas. Et c'est pour ça que tu es là. Opérons dans le surnaturel, s'il te plaît. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je veux croire que cet enseignement t'a encore fait du bien. Il faut que ton niveau monte. Donc, Église, tu ne vois rien, pas parce que ton Dieu n'est pas puissant. Mais il faut que ton niveau monte. Même nous-mêmes les pasteurs, on continue de jeûner et prier. Pourquoi on continue de jeûner après 20 ans de ministère Parce que on, on, ça, c'est ma philosophie. On n'atteint jamais le sommet. Il y a toujours quelque chose en haut de toi. Il y a toujours un palier à franchir. C'est pour ça que vous allez entendre que je jeûne, je continue de jeûner, je continue de faire mes jeûnes surnaturels, je continue de faire mes prières, je, le pouvoir de la nuit, je prie la nuit, je fais mes actions de, 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 de nouvelle lune à chaque moment parce que je veux continuer de grandir dans le surnaturel. La dimension que je veux atteindre, la dimension que je veux que mon ministère atteigne, là, je continue de monter dans le surnaturel parce qu'il faut que tu sois à ce niveau-là pour voir ces résultats. Donc la promesse est sur toi, d'accord. Le Dieu a décidé, d'accord, mais est-ce que ton surnaturel a est agrandi? C'est pour ça que j'ai pris trois jambes en référence. Je souhaite que tu prospères comme l'état de ton âme. Si ton âme prospère, si ton âme est devenue grand, quand je parle de l'âme, j'ai déjà enseigné ça. Vous savez de quoi je parle. Si tu ne sais pas de quoi je parle, va prendre mes vidéos toujours, faire recours au pouvoir de l'esprit. Un, deux, trois, il faut regarder. Il y a trop d'enseignements qui sont là déjà. Si tu n'es pas grand dans le surnaturel, si tu n'es pas grand spirituellement, pourquoi? parce que c'est spirituellement que tout le monde comprend, si tu n'es pas grand spirituellement, tu ne peux pas avoir des résultats physiquement. Donc, tu vas te contenter de ton salaire, tu vas te contenter de ces, de ces résultats que tu as tout simplement. Mais la dimension que tu veux là, ceux que tu vois qui ont atteint cette dimension là, c'est ce qu'ils ont fait dans le surnaturel qui leur a permis d'atteindre ça. C'est leur dimension surnaturelle là qui leur a permis d'avoir ce résultat. Quel est toi ton niveau surnaturel? Alléluia. Quel est donc ton niveau surnaturel? Il y a des choses, j'explique aux gens, me dit déjà, tout de suite là, tu as, tu as fait ça. Déjà, tu vas faire comme si déjà. Oui, c'est la dimension surnaturelle. Si ce n'est pas le surnaturel, ce n'est pas possible. Comme je le disais en introduction, je l'ai dit la semaine dernière, tu n'es pas obligé de faire le surnaturel. Mais s'il y a des choses qui ont été inaccessibles et difficiles pour toi, si tu sais qu'il y a des choses difficiles pour toi, opère dans le surnaturel tout. Donc, on pratique le surnaturel pour atteindre des résultats qu'on ne peut pas avoir, que tu n'as pas pu avoir, ou bien qu'on n'a pas pu avoir dans le physique. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Que l'éternel te bénisse abondamment. Je veux croire que ces enseignements t'ont fait du bien. Alléluia. Nous sommes en train de rentrer dans le concret. Quand je dis dans le concret, c'est quoi? C'est que jusque-là, les enseignements du surnaturel que j'ai toujours donnés, euh, certaines personnes se sont posées la question à quoi ça me, ça me sert. Parce qu'on a eu l'impression que c'est seulement pour les pasteurs. Non. Le monde surnaturel, comme je vous l'ai expliqué, c'est un monde. Quand tu rentres dans le surnaturel, le surnaturel, c'est un monde. D'accord Maintenant, à toi de savoir dans quel compartiment je me dirige. Donc, révérend Herman, je veux opérer dans le surnaturel. D'accord. Tu es rentré dans le surnaturel avec moi. J'ai fait ton initiation. Tu es dans le surnaturel. Maintenant, quand tu es dans le surnaturel, c'est pourquoi c'est le spirituel. Moi, je suis pasteur. Donc, pour tous ceux qui sont serviteurs de Dieu, sont dans le surnaturel, mais volet spiritualité. D'accord? Donc, moi, je suis pasteur. Je fais le surnaturel pour que, pour que, pour que la puissance se manifeste, pour que des miracles s'accomplissent dans, dans mon ministère, pour que mes paroles soient, soient efficaces et ainsi de suite. Ça, c'est le surnaturel spirituel. Mais quelqu'un peut dire, je suis dans le surnaturel pour avoir de l'argent. D'accord, je veux être riche. Donc, quelqu'un peut aller voir un féticheur pour dire, je veux être riche, rends-moi riche. Et puis le féticheur fait ce qu'il a fait pour que la personne devienne riche. C'est la même chose. Donc, je veux être riche, rends-moi riche. Tu es dans le surnaturel, mais compartiment finance. Quelqu'un peut dire, je veux me marier. Tu es dans le surnaturel, compartiment mariage. Et ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite. Alléluia. Donc, que Dieu bénisse quelqu'un. Je veux croire que ce message t'a fait du bien. Je veux croire que cet enseignement t'a fait du bien. Que la grâce et la faveur de l'éternel soient sur ta vie. Quel est le compartiment du surnaturel dans lequel tu veux opérer Il faut que tu le saches. Qu'est-ce que tu veux atteindre comme objectif et comme résultat dans le surnaturel N'aie pas peur du surnaturel. N'aie pas peur de ça. Ce n'est pas de la sorcellerie. Alléluia. Ce n'est pas de la sorcellerie. Ce n'est pas du mysticisme. Tout, tous les enseignements que j'ai donnés là, j'ai toujours pris sur la Bible. Maintenant, c'est normal que ça heurte ton esprit parce que ce n'est pas encore rentré dans l'église. C'est maintenant. Il y a quelques rares hommes de Dieu que j'entends sur la toile. Je ne vais pas citer de nom, mais qui enseignent le surnaturel. Donc c'est maintenant que ça vient. Ça va produire. Alléluia. Ça va donner son résultat. Amen. Que Dieu bénisse quelqu'un. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Je veux croire que cela t'a fait du bien. N'aie pas peur du monde invisible. N'aie pas peur des anges. N'aie pas peur pour quand on a commencé à faire le monde invisible. Il certaines personnes qui ont senti. Même dans les prières que je fais, il y en a qui ont dit, j'ai effectivement quand tu as prié pour moi, j'ai senti, n'aie pas peur des dimensions surnaturelles, la dimension du lion. La dim ah oui, 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 merci Saint-Esprit. Les dimensions surnaturelles pour les hommes politiques, les, différentes, les dimensions surnaturelles du lion, du bœuf, de l'aigle. Ça, c'est les dimensions. J'ai déjà enseigné tout ça. J'ai déjà enseigné ça. Donc, que la grâce de Dieu soit sur la vie de quelqu'un. Je veux croire que ça te fait du bien. Je veux croire que les enseignements te font du bien. Vous savez, ça aidera celui qui veut, qui veut, qui veut transcender certaines choses. Alléluia. Domination optimale. Je veux que tu sois à la tête, que tu domines, que tu sois prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Shalom depuis chez toi, que la grâce et la faveur de Dieu soient sur ta vie. Par la grâce de Dieu, nous allons aborder... Un élément intéressant aussi dans le surnaturel. Parce que quand nous parlons du concret, il y a des choses qu'on va aborder maintenant. On va parler, par la grâce de Dieu, si Dieu le permet, la semaine prochaine, nous allons aborder le sujet du sacrifice. Surnaturel, sacrifice, on va aborder le sujet. Vous savez que les mystiques font le sacrifice. Est-ce que la Bible parle du sacrifice? On va en parler. On va parler du sacrifice humain. C'est là, là, je sais que beaucoup de personnes vont me vomir maintenant quand on va dire non, lui, là. Il n'est plus pasteur, mais on va voir dans la Bible le sacrifice humain. On parlera de ça. Nous sommes dans le surnaturel. Nous opérons dans le surnaturel. Que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Que la faveur de Dieu soit sur toi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai largement dépassé le temps à 1h10 minutes. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la faveur de Dieu soit sur ta vie. Merci d'avoir regardé. Merci de partager la vidéo. Nous avons rendez-vous la prière de nuit, minuit trente. Si tu n'as jamais participé, merci de nous contacter si tu veux participer. 0h30, heure de la France. Donc là où tu es, adapte en fonction de ton fuseau horaire. Nos numéros sont là. Les numéros sont là. Vous pouvez me contacter. Vous pouvez écrire à Domination Optimale. Euh, nous allons vous répondre. Il y a des prières, effectivement, qu'on fait, que je ne dis pas sur la toile. Donc, ce que tu veux atteindre, que, que ce soit mariage et tous les sujets, obéis seulement au surnaturel et tu verras ce qui va se passer. Faveur de Dieu sur ta vie. Grâce de Dieu sur ta vie élévation sur ta vie, prospère à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons le jeudi prochain. Je suis révérend prophète Herman Quadio, aiguisé pour dominer. Shalom, Shalom. Dieu te bénisse.